Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour les idées cadeaux de Noël. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, j'ai des intervenants, également des consultants-consultantes qui ont énormément de talent. Je connais également des artistes qui ont énormément de talent. Voilà, donc je souhaitais faire cette vidéo pour un petit peu vous aiguiller, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, pour vos cadeaux de Noël. Ce sont des cadeaux qui sont vraiment très sympas, à des prix abordables, voilà, pour faire plaisir et surtout pour un petit peu sortir de la machinerie de la consommation. Ce sont des cadeaux que vous ne trouverez pas forcément chez tout le monde, voilà. Donc, dans un premier temps, je tenais à vous présenter Isabelle Tecam, voilà. Isabelle Tecam, qui est une consultante à moi, que j'embrasse d'ailleurs si elle voit cette vidéo, qui est également voilà, auteur de livres pour les enfants. Alors, ce sont des livres, en l'occurrence La quête de Fauve et autres nouvelles. Ce sont des livres qui sont donc destinés aux enfants, mais qui sont très éducatifs, spirituellement parlant. C'est-à-dire que je vais vous lire ce qui a marqué au dos du livre pour le résumer. L'auteur s'est très librement inspiré des parcours de vie de quelques-uns des animaux qui l'accompagnent pour créer ces nouvelles où le surnaturel s'immisce discrètement. Voilà, donc ce sera un livre qui parle effectivement de l'expérience de l'auteur par rapport à ses propres animaux, mais également de la partie spirituelle que l'on peut avoir à faire avec des animaux de compagnie, hein, ou autres. Mais en tout cas, c'est un très très beau livre à offrir à des enfants jusqu'à, oui, 10, 12 ans à peu près. Voilà, donc on a donc la quête de Fauve et autres nouvelles, et on a également Sans animaux, voilà, d'Isabelle Tecam également. Voilà, c'est un livre, lui, qui va nous parler d'une épidémie qui pourrait se passer sur Terre et où les animaux seraient décimés. Et bien entendu, ben, ça nous mettrait un petit peu dedans, comme on dit. Parce que s'il n'y a plus d'animaux sur Terre, la vie va être vraiment très très compliquée. Donc ce sont des nouvelles voilà, qui donnent à réfléchir aux enfants finalement sur l'avenir. De la planète, sur l'avenir du monde animal, du règne animal, et surtout de leur inculquer un très grand respect pour le règne animal. Donc voilà, c'est vraiment des cadeaux qui donnent à réfléchir. C'est pas des cadeaux idiots, voilà, comme des jeux vidéo, comme voilà, toutes ces choses-là que les enfants raffolent, bien entendu, il faut leur faire plaisir, mais glisser un petit bouquin comme ça sous le sapin en travers, ça peut vraiment éveiller certaines consciences. Et en tout cas, je vous les recommande vivement. Je vous mets les liens, bien entendu, en description sous la vidéo. Vous le trouverez, voilà, sur la plateforme Amazon, hein, bien entendu. C'est une plateforme qui permet quand même de promouvoir et voilà, de pouvoir toucher énormément de monde. Donc ben oui, on sait Amazon, si Amazon ça, mais en tout cas, voilà, vous le trouverez pour une somme de 4,11€. Donc ce serait vraiment dommage, franchement, de passer à côté, ainsi que La quête de Fauve et autres nouvelles, qui lui sera à 2,99€. Donc c'est vraiment complètement des sommes dérisoires, quoi. Et je vous assure que ben, pour faire apprendre la lecture à vos enfants, et même lire à côté d'eux, hein, ce sera vraiment un cadeau vraiment formidable. Voilà pour les premières idées cadeaux que je vous propose. Maintenant, une artiste. Une artiste pour vous. Voilà, c'est Farol. Farol, qui est une artiste que je trouve vraiment très sympa, en tout cas au niveau de ses graphismes. Voilà, c'est tout fait à la main. Ce que vous voyez là, trait après trait, point après point, pardon, tout est fait à la main. C'est une artiste également qui va vous proposer de l'art-thérapie. Donc,
pour un petit peu voilà, améliorer les émotions. Donc voilà, donc vous avez une rubrique shop où vous trouverez des sérigraphies, des toiles hein, originales, mais aussi de la photographie, du digital art, des collages. Je sais qu'au niveau photographie, c'est quelque chose de très très urbain et très très moderne en tout cas. Moi j'adore personnellement, voilà, sur un grand format, c'est vraiment des choses qui rendent vraiment magnifiquement dans un appartement ou une maison. Ça casse un petit peu les lignes anciennes et ça met de la modernité dans votre intérieur à des prix qui sont très corrects, très franchement pour de l'art. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur son site carolinesoulier.com, voilà, où vous trouverez toute son actualité, le shop, ainsi que voilà, son historique, un petit peu, voilà, comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire de l'art et à faire des superbes tableaux, des superbes photos. En tout cas, voilà, ça peut faire de très très jolis cadeaux de Noël sous le sapin, ça c'est clair. Ça plaira forcément vraiment aux gens qui vous sont chers. Également, la Caverne au Grimoire, bien entendu, où vous trouverez tout ce qu'il vous faut hein, en matière d'ésotérisme. Alors c'est vrai que des petites pierres, pourquoi pas. Vous savez, quand on met un petit peu dans l'assiette au départ, quand on reçoit les convives, on a toujours un petit cadeau qui fait plaisir pour ouvrir un petit peu la soirée dans les assiettes. Ben oui, pourquoi pas commander une pierre à Manuel de la Caverne au Grimoire ou de l'encens par exemple. Des choses comme ça qui font vraiment plaisir, ou voir bien entendu prendre des cadeaux plus conséquents pour mettre au pied du sapin. Vous avez énormément de choix, énormément de références en tout cas chez la Caverne au Grimoire. Vous avez des colliers de pierre, vous avez des bougies, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire vraiment plaisir à tout le monde. Vous pouvez le joindre par email ou directement par téléphone dans la rubrique contact. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur lacaverneaugrimoire.com, voilà, pour vos cadeaux de Noël. Également, je vais rechercher, car quelque chose me vient en tête pour vos idées cadeaux. Voilà, hop, donc vous tapez bien entendu Jessica Huthier sur le web, sur Google, et vous trouverez son site web. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, ça me fait penser, les petits cadeaux dans l'assiette, ben pourquoi pas un élixir de fleurs du bush australien. Voilà, ça peut être quelque chose de très sympa en tout cas à offrir. Alors si, bien sûr, vous connaissez votre famille, vous connaissez les gens. Si vous connaissez également leurs mots, ben pourquoi pas vous adresser à Jessica pour qu'elle puisse vous concocter un élixir justement pour faire du bien aux gens qui vous sont chers, et pourquoi pas voilà, emballer dans un petit cadeau dans l'assiette en début de repas de réveillon de Noël. Ça peut être aussi quelque chose de plutôt sympa. Voilà, je vous mets bien entendu tous les liens en description sous cette vidéo pour vous procurer ces petits cadeaux, hein, il n'y a aucun souci. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Moi, je sais un petit peu ce que je vais offrir, hein, bien entendu, donc ça en fait partie, hein, voilà, des personnes qui me sont chères. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura été vraiment utile et que vous trouverez votre bonheur dans ces cadeaux qui sont un petit peu voilà, des choses qui sortent du commun, des choses qui sont un peu en dehors de la consommation pure et dure. Et je trouve que voilà, c'est moi personnellement, c'est des cadeaux qui me plairaient. Donc je vois pas pourquoi ça plairait pas à des personnes effectivement dans votre entourage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.